Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci avec vous-même qui pourra tout profiter, abonner, activer la cloche notification. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de petit coup l'emporter pour l'émission qui est vraiment plus là, l'émission Tribune Sport. Et nous apporter pour toute dernière actualité sportive, que ce soit sur le plan local et à l'échelle internationale. N'a pas coupé besoin d'abonner. Mais voilà, nous retournons après pause là pour nous capables d'aller ensemble différentes actualités que nous avons pour nous aujourd'hui dans l'émission Tribune Sport. Nous allons d'abord aller où est-ce qu'il va gagner la première ligue là, puisque la première ligue là, dès demain, il va capable de rouler pour lui. La première ligue, il y a un pile de monde qui a obtenu. La première ligue, ça va gagner pour le fait avec quand même 20 équipes. Nous allons partager les 20 équipes avec vous, juste avant nous aller où est-ce qu'il va gagner la première journée. La première journée, c'est pour demain à partir de 3h. Donc, ça va même vraiment chauffer. Donc, 20 équipes qui vont capable de jouer. Saison 2022-2023, la première ligue là, gagné Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, gagné Brentford, gagné yon équipe d'un coup Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds United, gagné Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, gagné Nottingham, Southampton, Tottenham Spurs, West Ham United et puis gagné Wolverhampton. Voilà, c'est liste 20 équipes qui va gagner pour jouer saison 2022-2023 dans la première ligue. Et puis saison 2021-2022, nous connaissons c'était Manchester City lui-même qui était fini et sacré champion première ligue là avec 93 points pour 38 journées. Deuxième, c'était Liverpool, 92 points. Et puis Chelsea, c'était le même troisième avec 74 points. Et puis quatrième, là, c'était Tottenham qui le même était fini avec 71 points. Cinquième, Arsenal, 69 points. Sixième, Manchester United, 58 points. Voilà, nous allons ensemble et comment ça va aller demain vendredi qui va aller à l'ouverture première ligue là. Première ligue là, pour aller gagner vraiment le premier jour de la ligue qui va assez terrible. Lorsque Bragin Crystal Palace cap joue à 3h contre équipe Arsenal là, Fulham en samedi Bragin pour jouer contre équipe Liverpool là, Bournemouth Bragin pour jouer contre équipe Aston Villa. Aston Villa cap en déplacement, c'est Bragin à compter de 10h, c'est toujours en samedi. Leeds United en samedi à 10h tout Upton de pied ferme équipe Wolverhampton là, toujours en samedi Bragin Newcastle captain équipe Nottingham là, et puis Bragin Tottenham Spurs toujours samedi captain équipe Southampton match qui va assez intéressant. Et puis Everton à midi en samedi Brighton Chelsea, un match qui va vraiment intéressant. Leicester City Brighton équipe Brentford là, c'est à 9h, c'est en dimanche. Toujours dimanche, pour le game Manchester United contre l'équipe Britonne. Et puis, pour clôturer première journée, dans la première ligue, pour le capable de gagner l'équipe West Ham, captain équipe Manchester City, tenant du titre qui brille même pour le jouer récemment, là, perdu devant l'équipe Liverpool. C'est pour le à 11h30. Voilà, c'est comme ça, ça va aller dans la première ligue, pour première journée. Première journée qui paraît assez intéressant avec de très bonnes affiches. Demain, je vais vous dire, c'est pas seulement première ligue qui lui-même pour être capable de rouge l'ouvrir porte li pour gagner tout Bundesliga pour la guerre. Bundesliga connaît qui fait avec 18 équipes. Nous allons partager avec vous les 18 équipes qui vont gagner pour participer dans Bundesliga pour saison 2022-2023. Nous songez saison 2021-2022, c'était vraiment Bayern Dominique qui lui-même était sacré champion. Bayern de Munich qui était sacré champion avec 77 points pour 34 journées. Borussia Dortmund était deuxième avec 69 points. Troisième, Bayer Leverkusen 64 points. Quatrième, RB Leipzig 58 points. Et cinquième, c'était équipe Union de Berlin avec 57 points. Voilà, Melis, équipe qui va gagner pour jouer saison 2022-2023 dans la Bundesliga. Pour gagner Bayern de Munich, tenant du titre, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Union de Berlin, Fribourg, pour gagner Cologne, Mainz, c'est déjà 8 équipes que déjà cité là, Offenheim, Borussia Mönchengladbach, et puis pour gagner Frankfurt, Wolfsburg,
Hannover, Bochum, Augsburg, Stuttgart, Hertha de Berlin, Schalke et puis Brême. Voilà, sinon 18 équipes ça yo qui pral gagner pour jouer saison 2022-2023 dans Bundesliga. Est-ce qu'on te connaît Barcelone de signer David Villa en 2010 et en 2011 il t'a remporté Ligue des Champions. En 2014, Barcelone t'a signé yon Stankoulou Suarez et Uruguayen. Et au terrivé remporté Ligue des Champions en 2015. En 2022, Barcelone signé Robert Lewandowski. Est-ce que en 2023, il sera capable vraiment remporter Ligue des Champions? Dossier n'a pas été suivi. Si l'histoire a surtout répété. Bilan olympique de Marseille sous précise au rang. Souraye M. Tankou Hugo, M. a joué 5 matchs, 1 victoire, 3 défaites, 1 nul, 5 goals marqués et 9 goals encaissés. L'autre côté, il a gagné vraiment M. Tankou, 6 ans, Aspilicueta, qui a un pile rumeur, a fait quoi pour aller jouer une équipe FC Barcelone. C'est ça, Aspilicueta, monsieur a lui-même l'y prolongé avec l'équipe Chelsea. C'est ça, Aspilicueta a prolongé pour 2 ans avec l'équipe Chelsea. Et puis, gagné, il y a un soudain pour Bernardo Silva qui voit que Paris Saint-Germain est vraiment intéressé avec lui. Bernardo Silva nous connaît dans le premier temps de la cité en dans l'équipe FC Barcelone. Bernardo Silva lui-même est capable de rejoindre l'équipe Paris Saint-Germain. Ça qui t'a fait Paris Saint-Germain bien en pile. Gagné, Alexandre Lacazette, monsieur lui-même, prêt capable de venir capitaine équipe olympique Lyonnais. Et puis, gagné vraiment, il y a un monsieur Tankou Pierre-Emerick Aubameyang, monsieur a lui-même gagné discussion entre FC Barcelone avec Chelsea pour capable monsieur a lui-même débarquer dans le pays l'Angleterre. Après monsieur a sorti en deux équipes Arsenal, il est capable de faire des amis en deux équipes Chelsea de Thomas Tuchel. Gagné la équipe Chelsea qui vraiment intéressé avec Frankie de Jong. Frankie de Jong, monsieur a lui-même nous connaît qui a évolué sous couleur équipe FC Barcelone. Ouais, Chelsea vraiment intéressé avec lui. Pour la Bine Bogba, monsieur a lui-même pas opéré dans le genou de lui. Il pral gagner seulement 5 semaines absent. Donc, ça qui veut que monsieur a lui-même l'a guetté retourner pour capable à jouer Coupe du Monde là avec pays la France. Merci parce que tu as suivi l'émission Tribune Sport. Nous vous rendez-vous prochaine par émission Tribune Sport. Continuez à inviter vos amis et vos familles de couvrir le travail. Ça. Bonsoir tout le monde. Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci avec vous-même qui prenez tout profiter, abonner, activer la cloche de notification.